Oh, ce doux bruit. Et bonjour, bonjour à toutes et à tous. Domekeeper, épisode 3 sur le jeu complet. Est-ce qu'on sortira le premier épisode qui est notre échec? Je ne sais pas, ça fera moult VOD. En tout cas, nous restons toujours avec l'ingénieur, toujours avec notre compagnon inutile, toujours avec notre skin inutile, toujours avec notre bouclier utile, le gadget, et la chasse aux reliques, le mode de jeu de base. Mais nous changeons le dôme et nous passons sur le dôme épée. Regardez, il est beaucoup plus rond. Par contre, comment est-ce qu'on l'utilise? Mais incroyable, il circule pas sur choisissez votre équipement. C'est pas drôle. Et nous allons évidemment nous mettre en vous l'aurez voulu. C'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Petite carte pour les sessions de jeu assez courtes. Carte de taille moyenne pour les gens qui aiment les sections d'extraction qui se respectent. Ah, ça veut dire que du coup, je me respecte pas. Écoutez, j'ai pas envie de passer 50 ans pour me faire défoncer le fion. Donc, du coup, on va rester petit pour le moment. Et on augmentera au fur et à mesure. Mais pour le moment, on ne connaît pas le bouclier. C'est la première fois en You Ask For It, vous l'aurez voulu dans le jeu complet. Donc let's go. Ah, une nouvelle map du coup, on voit en effet les colorimétries. Les coloris ont changé. Oh là là, mais regardez-moi ça, c'est magnifique. Bon, c'est parti. Ouais, ça fait un peu plus StarCraft, Kania. On dirait un peu plus organique. Donc le dôme épée. Bon, le dôme épée, il a tout pareil. Ah non. Du coup, alors les nachos pourront nous donner des réparations des impacts. Votre dôme se répare partiellement sans que vous ayez à faire quoi que ce soit s'il subit d'importants dégâts. Au cours d'un combat, s'active en subissant plus de dégâts que 60% du total des PV. Donc quand on est en train vraiment de se faire déchirer la nuque, il se soigne à un quart du total. C'est pas mal. Et là, du coup, il s'activera plutôt à 40%. Ok, c'est la spécialité de ce dôme. Ce n'est plus du coup le... La résistance aux dégâts au cac, c'est le soin auto. Quand on prend la max. Donc l'ingénieur, de toute façon, ça n'a pas pu changer que ça. Waouh, l'épée. Magnifique arbre d'épée. Il demande moult carrés. Et le bouclier standard, ça n'a pas changé. Alors épée. Épée extrêmement résistante et qui fait de plus en plus de dégâts quand elle parcourt une longue distance le long du dôme. Ah, donc il faut potentiellement la faire partir du plus loin possible ou continuer à la bouger dès le début. Dégâts des coups de taille, 20. Ou alors non, c'est une inertie, je sais pas. Est-ce que ça va être une distance parcourue tout le long du combat? Donc du coup, elle va grandir si on... C'est incroyable ça. Ça me rappelle quelque chose qui grandit quand on la secoue. Dégâts des coups de taille, 20. Perte de vitesse lors des coups de taille, 70%. Ah Oui, non, ça c'est quand tu es en train de mettre un coup. Tu es ralenti par la chair de l'ennemi. Vitesse de l'épée 1, agilité de l'épée 4, agilité. Dégâts des coups d'estoc 20. Ah, donc oui, il y a des coups de tranche, de taille, et il y a des coups d'estoc. Alors les coups d'estoc, c'est parce qu'on la sort, on la rétracte. Vitesse de rétractation, en effet. Une vitesse d'extension et de rétractation. Une portée de 550. Une extension de la réutilisation de 3 secondes. Ouais, c'est le cooldown. Et après, donc, moult arbre. C'est quoi ça? Augmente la taille du bouclier de garde. Et lui permet de renvoyer des projectiles et d'énergie. Ah oui, parce qu'on a un bouclier versus sur l'épée. Donc ça veut dire qu'il faut quand même diriger l'épée dans une direction d'un projectile ennemi pour renvoyer ce projectile. On va apprendre, ne vous inquiétez pas. J'en doute pas un seul instant. La terre est déjà beaucoup plus dure dès le début.
Est-ce que c'est propre à ce biome du coup? Allez, 4 ça suffira pour augmenter la foreuse immédiatement. Hop. Ah, ça n'a pas le même bruit d'extraction. Oh, Moi j'aurais tendance à dire on s'en fout des nachos au début, non? Sur ce... Peu importe sur quel dôme, mais celui-là, oui. Alors, on va retenter un aller-retour, mais... Vraiment, on va retenter un aller-retour. Je dis ça, mais est-ce que je le pense? Prédiction de la visée. Je le pense. J'ai été con. Je m'excuse auprès de tout le monde. Je suis innocent. Oui, parce qu'on a un US for it, du coup peut-être les vagues sont plus resserrées. Ok, donc c'est parti. Let's go. Alors comment on joue cette épée? Et stock. Alors j'ai pas compris. J'ai pas compris mais c'était génial. Ok. On y retourne. Tranquille. Alors du coup ça bloque ça. Donc soit le coup d'estoc est rapide, permet de porter des coups d'estoc plus rapides et plus souvent, ou alors le coup d'estoc est renforcé, la puissance des coups d'estoc est renforcée, vous avez la possibilité de guider la lame de l'épée en vol. Ça, vous m'en posez des questions. Ok, d'accord, c'est la pire idée de découvrir un truc. Ok, j'ai compris. Sur le tas. Okay. Ok, donc je crois que les stocks ça sert juste sur les ennemis volants, hein, parce que j'ai l'impression que là ça... On a juste pris des coups gratos, c'était génial. On aime ça. Le tunnel de la mort. Enfin, ça sert pas grand chose, autant faire un petit couloir, vu qu'on a une visibilité de une case. Enfin, j'ai l'impression de me faire avoir là. Là par contre. Je sais pas si ça se fait une impression. Ok. Bah on a rien, c'est génial.
Il faudra penser du coup à avoir ce truc paralysant. 1, 2, 2. Avec 2, on peut faire ça, on est d'accord? Yes. On va faire ça. Votre dôme se répare partiellement, nanana, quand on subit la max. Je suppose qu'on. Ça ne saurait tarder. C'est génial. Hop. Et donc du coup ça c'est un dôme qui est condamné à se prendre un peu cher quand même. Autant le laser, tu pouvais empêcher de te prendre des coups, mais autant celui-là j'ai l'impression que non. Comment s'est passé ce Nuzlocke? Est-ce que tu as pu progresser? Sept. Il dit sept. On va peut-être commencer à augmenter la puissance de notre épée. Meilleur tranchant, améliore le tranchant et la vitesse de votre épée. Bon, je pense que ça, c'est la base. Bon, pourquoi pas. Alors là, du coup, dans la prochaine vague, il n'y aura que des volants et je pèterai un câble. Mais tout va bien. Alors, vous avez la possibilité de guider la lame de l'épée en vol. Mais c'est déjà vrai. Comment ça? Mais qui s'y raconte? Il y a déjà la vague. Oui, il y avait la démo. C'est la démo que j'ai faite autant jadis. Et là, du coup, il est sorti. Beaucoup plus complet, beaucoup plus refait graphiquement, encore plus addictif qu'addictif. Le jeu du minage, du mining. Mouais. Le son est fort, mais n'importe quoi. Vraiment? Ou tu dis ça pour m'embêter? Normalement, il est ok. Moi, on m'a dit que c'était ok au début de live. Moi, j'ai plus confiance en la personne qui me l'a dit au début de live que toi. Hein. C'est pas pour te vexer, mais hein, il a plus l'habitude. Il a moins l'habitude de troller que toi. S'il n'y a pas le son, non mais allô. S'il n'y avait pas le son, on me l'aurait dit 15 fois. Quoique maintenant j'ai un doute. Non, il n'y a pas. On me l'aurait dit. Le monde change ou Perceval le retour? Installe le monde charge automatisé. Le monde charge, il nous a pas aidé des matchs, j'ai l'impression, sur la run précédente. Mais là, du coup, on l'a tôt dans le game. Donc pourquoi pas, après Perceval, évidemment, c'est Perceval. Comme pour le jeu de foot chelou. Le jeu de foot chelou, c'était un accident. Personne me l'a dit au début de live que y avait pas le son. Mais autant là, on m'a dit que le son était bien équilibré. Écoutez, il faut réessayer Perceval. Le monde charge, évidemment, c'est pour les gens qui ont peur. Et nous, nous n'avons pas peur. Nous voulons un familier. C'est parti, Perceval. Go! Déjà la vague? Ennemi? Go, Perceval! On l'a jeté. 1 et 3. Je suis sûr qu'il va bosser.
Il est où Perceval? Ah, il a commencé à bosser, regardez! Oh, regardez-moi ça, comme il bosse bien! Oh, par contre, il a pas la foreuse la plus puissante au monde. Hein. Je te surveille, hein, tu t'endors pas. Hein. On va lui augmenter sa foreuse parce que là, c'est ridicule. Hein. Peut-être pas. Hein. C'est peut-être qu'on n'aura pas que ça à faire. En vrai, c'est peut-être la note de foreuse qu'il faudra augmenter en vrai. Mais bon, lui, il est là, il bosse quoi, tout seul. 300 coups. D'accord, j'ai décidé de dire ça. Okay. J'ai dit qu'il faut que j'augmente ma foreuse et je fais la suite de la merde en boîte. Tout va bien. Ça marche, Mentalis, des bisous. T'as vu, on n'a jamais acheté le prédicateur de vague. Et du coup, je suis le dernier des cons. Oh oui, on a été au sous-moi. C'est pas faux, c'est pas faux, je suis le dernier des cons. Prédicateur de vague, faudra acheter le prochain rang. Voilà. Vous avez vu ce timing? Bon, par contre, on arrête les conneries maintenant. Bon, je pense qu'il a arrêté de bosser. Et il a bien raison, Perceval, parce que... Ah non, il a arrêté de bosser, bravo. Bon, on le ramène. Allez, casse-toi. Donc du coup, il s'est pas miné vers le bas. Soit. Ok, donc avec 4, 7, de la merde en boîte. Si avec 7 on peut faire... Alors la puissance des coups des stocks est renforcée, ça n'a d'utilité que quand il y aura les des volants plus puissants, les volants de foudroyant et... Ah oui, puis on est censé avoir un bouclier, c'est vrai. On l'a quasiment jamais utilisé, voire même jamais. Renvoie des projectiles d'énergie. Ah, parce qu'avant... C'était pas le cas. Agilité de l'épée moins 1 par contre. Je sais pas quoi on pensait en vrai. Je le fais mais je crois que c'est une connerie. Ah oui non j'aurais dû... Faut que j'arrête d'appuyer un seul coup en vrai. On s'est fait déchirer l'anus. Bah bravo. Pas mal. Ah non, il y a le... Alors qu'est-ce que j'ai oublié? Premièrement déjà, j'ai oublié que j'avais le bouclier réfléchissant. Donc ce qu'il fait,
que tous les dégâts que je me suis pris, j'aurais pu ne pas me les prendre. Et deuxièmement, j'ai oublié qu'il y avait le truc aussi de soin. Ce qui fait que je crois qu'on s'est soigné à un moment donné. Mais j'ai pas réagi, j'ai abandonné, j'ai jeté l'éponge. Ça caca. Alors est-ce qu'on prend du coup l'upgrade à trimballer? En théorie, c'est un aveu de faiblesse, mais c'est un... Comment on appelle ça? C'est un élément rogue intégré dans le jeu. Donc on va dire oui. De toute façon, à un moment donné, voilà. Ok, on garde Perceval, bravo à lui. Bon, je crois qu'il va être dispo immédiatement, mais est-ce que du coup ça veut dire qu'on aura 3 reliques? Ou est-ce que c'est juste la première relique qui est déjà du coup sélectionnée et qui est dès le début? On ne pourra jamais en avoir plus de 2 pour le moment, en tout cas en termes de taille de carte. On verra. Des bisous et du coup prochaine VOD, ne vous inquiétez pas, on gagnera. J'ai dit VOD, hein, je continue live, ne quittez pas. Très bien.